final because we lost the Copa de Bon, and it was a disappointing stage of my life. But to enter here today with my team, my home, my new home state Toulouse, and to win the Toca Toes is so emotional for me right now. Keller, salué comme un héros par le magnifique public clermontois. C'est l'une des images fortes. C'est quand même l'homme clé de la saison toulousaine, en tout cas l'un des hommes clés. Il ne faut pas oublier que Byron Keller, si Agen n'était pas descendu en Pro D2, il jouerait à Agen. Oui, alors... Ou au stade français, Byron Keller, c'est un All Black, hein. C'est un dominé All Black qui a plus de 50 sélections, qui a fait 2 Coupes du Monde avec les All Blacks, et qui est arrivé cette année sur les bords de la Garonne. Il a été tout simplement à son niveau, c'est-à-dire phénoménal. On dit que c'est un joueur physique, plus de 95 kg pour un demi-mêlée, c'est énorme, mais avant cela, il a tout le bagage d'un des plus grands demi-mêlées au monde. Il va vite, il voit le jeu. Il a une passe de gauche à droite, de droite à gauche phénoménale, un jeu au pied droit qui met énormément sous pression la défense adverse. C'est un gros plaqueur, gros défenseur, et en plus, il a un mental extraordinaire. On l'a vu en attaque, percer 3 fois le rideau défensif montferrandais, mais en défense, je crois qu'il doit avoir les stades de plaquage les plus importants de l'équipe toulousaine. C'est un joueur phénoménal, et qui s'est intégré de suite. Par rapport au vent, pas d'inquiétude, on a eu le même problème hier. Taxe a priori. Et c'est important pour le déroulement du match. Attention à cette combinaison de Keller qui est passé. Il faut l'arrêter, Keller. C'est une bonne combinaison des Blacks dans les 22 mètres français. Attention, Keller s'en va. Et il faut revenir, Gatier. Il faut l'arrêter. Dominici va essayer de l'arrêter. Il est au sol. Monde, hein. 17 à 10 pour la Nouvelle-Zélande. Alors qu'on revoit au ralenti le très bon travail de Byron Keller. Vous défiez dans du 1 contre 1, c'est pas compliqué. La 89, c'est le 8 qui sort le ballon pour le 9, et ça marche, Keller a fait le trou. Le fameux match de 99, c'était à l'époque un tout jeune demi de mêlée. Ouais, mais là...